Préféreront Andy, toujours de loin, des sourires même crispés de soulagement que ceux qui vous a guetté au coin du bois, parce que objectivement, on s'en sortait bien. Oui, oui. Non, mais ce qui est bien, c'est que l'année dernière, ces genres de matchs, on les aurait perdus. Et là, on a réussi à revenir. Donc, c'est un point positif, je pense, pour cette fameuse malédiction à l'extérieur. En tout cas, c'est bien, on est content. On a fait preuve de mental. On est revenu, on aurait pu faire mieux, mais l'important, c'est qu'on ne perd pas ces matchs-là. Avez-vous le sentiment que ce spectre de la malédiction à l'extérieur a encore plané? Ouais, mais c'était pas pareil. Je pense qu'on... Bon, on n'y pense plus trop aujourd'hui, on a une équipe encore plus solide que l'année dernière et je pense qu'on n'y pense pas trop. D'ailleurs, on n'a pas perdu, donc voilà, le prochain match extérieur, on a un gros match d'abord, on a un gros match à faire à la maison et ensuite on ira essayer de gagner à l'extérieur. Voilà, vous n'avez pas perdu ce match, c'est très important. Juste avant de vous lâcher, vous avez accentué le trait un peu sur le pénalty ou pas? Non, je pense sincèrement qu'il y a pénalty, je suis en l'air, je vais pour faire le geste et il m'accroche, donc je pense qu'il y a pénalty. Bon, tu sais, si je peux la mettre au fond, je vais essayer de la mettre. Merci, Yannick. Ouais, merci. J'imagine qu'il y en aurait beaucoup à dire de ce match, Michel. Ça a amené chez vous beaucoup de réflexions ou... Non, pas de réflexion. On a fait beaucoup. On a fait un début de match avec des cadeaux. Et on les a mis dans le bon sens. Et nous, on s'est mis dans le mauvais sens. Voilà, deux erreurs défensives, perte de balles inattendues et quand engendré une occasion nette et un but, voilà, ça nous a mis dans le dur et on a eu du mal à avoir de la justesse dans notre jeu, avoir de la sérénité et on a le mérite de s'être accroché et de revenir au score en début de seconde mi-temps. Je pensais qu'on a égalisé, qu'on était dans la capacité à leur faire mal et à peut-être gagner le match. Malheureusement, sur un corner, on s'est fait planter encore et là, ça a été encore plus dur. Voilà, mais les joueurs se sont accrochés, ont fait ce qu'il fallait pour aller arracher ce match nul et c'est une bonne chose avant le derby. Merci, Michel.